Ce soir, je vais partir visiter les nuages. Je n'y suis pas encore, mais ça va pas tarder. Je vois déjà des fleurs tout autour des visages. Tous les gens qui sont là commencent à me regarder. Car si je réussis, c'est extraordinaire. Ils ont raison d'attendre. Ils seront pas déçus. Je sens que je m'arrondis comme une montgolfière. Je vais quitter la terre, personne ne me verra plus. J'ai commencé ce matin, aux petites aurores, avec un muscadet de derrière les fagots qui glissaient comme du velours. D'ailleurs, j'en rêve encore. Et deux, trois petits kirs qui étaient bien rigolos. Vers midi, je marchais sur des pompes à bascule. C'est là que j'ai compris que j'allais m'envoler. C'est un travail très dur. Si t'avances pas, tu recules. L'ivresse, c'est un pays où faut pas rigoler. T'as des gens qui picolent sans aucun savoir-faire. Et ben voilà des gens qui s'envoleront jamais. Ils cesseront pas de ramper, qui quitteront jamais terre. Alors que moi, je sens que ça va pas tarder. Je vais survoler Paris comme un ange véritable. J'aimerais pouvoir emmener tous mes potes avec moi, mais comme ils se foutent de moi parce que je monte sur la table, je vais m'envoler tout seul. Et je les emmènerai pas. Il est 8h du soir. Il y a 12h que je travaille. Je me sens tout léger comme un petit oiseau. Me voilà sur le trottoir avec des gens qui braillent. Je vais prendre mon élan. Je serai tellement beau que tous ces connards-là en auront plein la vue. Allez, hop, c'est parti. Non, c'est pas pour ce soir. Il y a 20 ans que je m'exerce. C'est toujours peine perdue. J'essaye encore demain. Après, j'arrête de boire.